Nous y sommes, les 7 candidats qui s'affronteront ce samedi 2 juillet pour le premier épisode de la grande finale du combat des maîtres des 12 coups de midi sont connus. Ce grand prix animé par Jean-Luc Reichmann à partir de 21h10 est attendu par tous les fans du jeu de TF1. Il célébrera les 12 ans de l'émission. Ce samedi midi, lors de la dernière qualification pour la grande joute des 12 coups de midi, 4 nouveaux candidats, tous anciens maîtres de midi, se sont affrontés pour tenter d'obtenir le dernier ticket du combat des maîtres. Ainsi, Luciano, Chantal, Mathieu le Girondin et Xavier ont tout tenté pour remporter le Saint Graal du jeu quotidien de TF1. Et si est-ce en grande surprise que Xavier cesse d'imposer en finale face à Chantal, lors du coup fatal. Ce dernier rejoint donc Timothée, Françoise, Douducci, Valentin, Vincent et Jérôme pour essayer de s'offrir le titre honorifique du meilleur candidat de l'histoire du jeu. Jean-Luc Reichmann, nous devions d'en faire un événement après 4320 émissions soit 12 ans de rire, de coups de cœur, coups de génie, ou encore coups de folie, 56 maîtres de midi reviennent exceptionnellement s'affronter durant 2 semaines. Chacun tentera de remporter le titre du plus grand maître des maîtres des 12 coups de midi. Du jeu, des rires, de l'émotion, des cadeaux et de nombreuses surprises, voici les ingrédients indispensables pour fêter cet extraordinaire événement, avait indiqué TF1 dans son communiqué pour faire monter la TNT à l'occasion de ce 12e anniversaire de son jeu fétiche. L'animateur star de l'émission, Jean-Luc Reichmann, n'a d'ailleurs pas caché son impatience lors d'une interview exclusive donnée à Téléstar, « Toutes les occasions sont bonnes pour se rassembler, partager des émotions, rire. » Et les 12 ans des 12 coups de midi étaient une opportunité idéale. Nous avons vécu tellement de choses fortes ensemble, avec les candidats, les téléspectateurs, les personnalités, que nous devions d'en faire un événement. Rendez-vous est pris ce samedi 2 juillet, à partir de 21h10. We'll be right back.